Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission du vendredi. Bien sûr, on se retrouve chaque vendredi pour discuter des sujets qui peuvent concerner justement la macro, qui peuvent concerner l'économie en général, des concepts à vulgariser, la finance des marchés, le trading et tout ça. Donc c'est dans ce terrain-là que nous retrouvons chaque vendredi pour parler, pour discuter des sujets qui vous intéressent et des sujets qui sont justement à prendre avec attention si vous voulez bien sûr soit débuter une carrière dans le trading ou alors si vous voulez simplement avoir une certaine expérience pour bénéficier des marchés afin de pouvoir progresser tout au long de cette aventure-là sur au trading. Alors, mon nom est François Ablé, je suis content de vous retrouver. Je vous invite bien sûr à partager cette vidéo, à la liker, à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à aussi n'oubliez pas de laisser votre avis, hein, ça, parce que ça compte beaucoup pour moi. Pour améliorer la qualité de cette émission, et donc votre avis dans la section reviews si vous avez votre Facebook en anglais ou alors section avis dans Facebook pour laisser une note avec justement qu'est-ce que vous pensez de ces émissions qui est déjà la 80e émission ou disons vidéo que je mets à votre disposition en termes de contenu. Ou aussi, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube où je mets les mêmes types de vidéos. Et puis voilà, donc nous allons bien sûr démarrer avec cet été avec la formation Global Trading Program, donc GTP. Donc il ne reste plus que des détails. J'ai actuellement des petits soucis du point de vue technique au niveau au niveau de ma plateforme que j'installe parce que je veux un truc de bien et pour la formation. Donc ça prend un peu de temps, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, ça sera prêt très bientôt. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc vendredi 6 juillet. Aujourd'hui, le sujet dont on va parler, ça va être le sujet que c'est à qui s'adresse le trading. D'accord? J'ai vu souvent, j'ai vu ces derniers temps beaucoup on va dire beaucoup de bêtises. Certaines personnes qui font des posts et puis qui disent que oui, le trading, ça s'adresse à des chômeurs. Il y en a qui ont fait, il y en a qui font l'amalgame aussi pour dire que oui, le trading, c'est du gambling, c'est du casino. Donc tout le monde peut jouer, tout le monde peut venir dans le trading. D'abord, bon, en fait, ces gens-là, je les comprends. Ils sont dans un souci de pouvoir attirer le maximum de gens, le maximum de pigeons, comme on dit, pour, disons, gagner en popularité et puis vendre aussi leur produit qui, en fait, ne vaut absolument rien. D'accord? Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. En fait, à qui s'adresse le trading? Bon, de façon simple, le trading s'adresse à tout le monde. D'accord? On ne naît pas trader. On devient trader, d'accord? C'est comme si je vous dis, le commerce s'adresse à une certaine partie des gens. C'est pas nécessairement ceux qui ont fait l'école de commerce qui deviennent des grands commerçants ou de grands commerciaux, d'accord? Il y a des gens qui ne sont pas allés dans des écoles de commerce qui peuvent devenir de grands businessmen, de grands commerçants, d'accord? Donc, c'est le même cas de figure ici au trading. Il n'y a pas d'exception. Maintenant, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas à qui s'adresse le trading. C'est dans quelles circonstances ou bien quelle est la dimension qui entoure le trading. C'est ça, c'est la dimension qu'il faut se poser comme question. Est-ce que il faut faire le trading dans un contexte où j'ai des difficultés sociales? Faut-il faire le trading dans un contexte où je ne prends pas au sérieux ma vie, ou bien je ne prends pas au sérieux mes finances. Faut-il que je fasse du trading juste pour m'amuser? D'accord? Parce que souvent, quand on dit à qui s'adresse le trading, il y a implicitement une question d'âge qui se pose. D'accord? Parce que très souvent, ce qu'on remarque, hein, c'est que les jeunes qui commencent le trading, ils ont souvent des capitaux entre, on va dire 500 et 1000 dollars. Quand tu commences à partir de 16 ans, quand un jeune commence à s'intéresser à la finance des marchés à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, où il est, disons, un peu souciant de sa vie, et puis certains sont animés par un esprit de. Voilà. Ils pensent que c'est facile, ils se croient invincibles, et ils écoutent des vidéos sur YouTube où on leur dit qu'avec 500 dollars, tu peux gagner 200 dollars par jour. Vous savez de qui je parle, d'accord? Voilà.
fait des vidéos, voilà, il dit ça. Je ne vais pas dire son nom pour faire des publicités. Donc, ce monsieur-là est très suivi par des jeunes. Et il y a beaucoup de jeunes qui m'ont approché en inbox, qui m'ont demandé est-ce que avec 200 dollars, on peut, avec 500 dollars, on peut ouvrir un compte de trading et puis on peut gagner 200 dollars sur les marchés financiers. D'accord? Bah, évidemment que non. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils me posent la question, parce qu'ils n'ont aucune notion. C'est ça le problème. Or, s'ils prennent le temps d'étudier le trading avant de se lancer sur les marchés financiers, s'ils prennent d'étudier, de comprendre ce que c'est, ils éviteraient bien sûr d'avoir ce type de questions. D'accord? Donc, quand on est jeune, 17 ans, 18 ans, 16 ans, la plupart vivent chez papa et maman. D'accord? Donc, techniquement, il n'y a aucun risque qu'il soit psychologiquement détruit, parce que s'il vit chez papa et maman, c'est-à-dire que il y a son école qui est payée, mais l'argent qu'il a, c'est l'argent de poche. Donc, il peut utiliser cet argent-là pour investir sur les marchés financiers. Un peu comme ce qu'on a vu avec le phénomène de ce qu'on voit aussi, c'est avec le phénomène des bitcoins. D'accord? Donc, le jeune, il est chez ses parents. Il n'y a techniquement aucun risque pour lui parce qu'il n'a pas de dépenses, il n'a pas de charges. Et il peut investir sur les marchés financiers sans nécessairement craindre qu'il va payer, disons, qu'il va avoir des soucis de payer un logement, sa nourriture et des choses comme ça. Parce que tous ses frais sont déjà réglés par ses parents. Et puis, vous avez aussi les personnes âgées, donc les gens qui sont au-delà de l'âge d'or, 55 ans et plus, 60 ans, qui eux aussi veulent accroître leur fortune. Donc, ils commencent à s'intéresser à la bourse, d'accord? Mais ils ont a priori beaucoup de préjugés, ils ont du vécu, donc souvent ça peut leur donner raison, comme aussi leur apporter du tort, d'accord? Parce qu'ils ont beaucoup de choses dans la tête. Et quand ils viennent sur les marchés, c'est souvent ils ont peur, d'accord? Donc, vous avez un groupe de personnes qui sont un peu trop arrogantes, comme les jeunes, qui pensent que tout est facile, qui se croient invincibles. Et puis, vous avez des gens qui ont très peur, qui ne peut pas contenir le risque. D'accord? Donc, vous allez me demander, donc dans ce cas, c'est dans quelle partie d'âge qu'on peut faire le trading? Mais on peut faire ce que moi je recommande, et c'est ce qu'on voit souvent dans la salle de marché. La plupart des gens qui commencent le trading, ils ont souvent, en général, un moins d'âge entre 25 à 35 ans. D'accord? D'ailleurs, c'est à cet âge-là qu'on commence à construire un patrimoine ou son avenir. D'accord? On peut commencer très jeune quand on est mature. Donc ça, ce sont des cas exceptionnels. Et puis ceux qui commencent aussi très vieux, ce n'est pas parce que ils auront des difficultés, mais ils doivent aussi prendre du recul concernant les marchés. D'accord? Maintenant, ça c'est le premier cas de figure. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est qui pèse réellement sur un individu en bourse. Ce n'est pas son savoir, ce n'est pas sa personnalité. Mais c'est qui vous conditionne vraiment assez souvent et difficilement sur les marchés, qui fait que vous perdez, c'est la psychologie. D'accord? Tout le monde le sait. Ça, c'est pas une trouvaille. Et la psychologie est, disons, conditionnée par votre statut social. D'accord? Si vous débutez en bourse, si je prends deux personnes, d'accord? Deux personnes qui ont le même savoir, hein? Je prends une personne qui a 5 ans d'expérience sur les marchés financiers, une autre aussi qui a 5 ans d'expérience sur les marchés financiers. Okay? Et puis une personne parmi les deux, il y a une qui est au chômage, et puis il y a une, l'autre personne est par exemple professionnelle. Donc, c'est-à-dire, disons, il est dentiste, donc il gagne à peu près 300, 400 000 dollars par mois. Donc les deux se sont formés sur les marchés financiers pendant 5 ans, ils connaissent tout ce qui est technique, tout ce qui est fondamental, et puis on les met sur les marchés. Là, puis là, je vous pose la question. À votre avis, parmi les deux, qui a susceptiblement le plus de chances de réussir sur les marchés financiers? C'est forcément le dentiste. D'accord? Parce que le dentiste, il a un revenu. D'accord? Il a une condition sociale confortable. Donc, quel que soit ce qui va lui arriver, il a un salaire qui va tomber. Donc, il aura une partie de son revenu forcément qu'il va utiliser, qui va épargner ou dégager pour pouvoir faire pour transiger. Tandis que celui qui est au chômage, lui, là-bas, il va certainement attendre des aides. D'accord? Il va attendre des aides, et ou bien il va avoir des économies qui lui restent, mais ces économies-là sont sous restriction.
Parce qu'il doit avoir le minimum pour vivre. Vous comprenez? Donc, c'est un message que j'entends de vous dire, dans la mesure où certaines personnes racontent que le trading, c'est fait pour tout le monde, notamment même pour les chômeurs. D'accord? J'ai déjà vu ça quelque part. Et certaines personnes qui, justement, ne travaillent pas vont vouloir se lancer dans cette aventure-là, où on les a fait, on les a fait miroiter quelque chose. Et quand ils vont commencer à perdre de l'argent, ça va les enfoncer encore plus dans leurs difficultés. Vous comprenez? Parce que maintenant, je crois que maintenant, c'est en train d'être fait. On a certains courtiers qui commencent bien sûr à être un peu sévères là-dessus, dans la mesure où n'importe qui ne peut pas ouvrir des comptes de trading. N'importe qui, d'accord? Le trading est fait pour tout le monde, mais n'importe qui ne peut pas ouvrir un compte de trading. Il faut avoir un minimum. Vous comprenez? Un étudiant peut ouvrir un compte de trading. Pourquoi pas? Sachant qu'il est aux études, j'imagine, de façon commune. Donc, généralement, les étudiants, ils travaillent. Après ça, il a son petit boulot à côté qu'il fait pour payer le minimum de ses. Pour le minimum pour pouvoir survivre, disons. Et puis, à la fin, il lui reste un petit quelque chose. Voilà, un petit quelque chose par mois, soit qui est réservé pour ses loisirs. Maintenant, si c'est quelqu'un, disons, qui est très consciencieux, très soucieux de son avenir, au lieu de dépenser ça dans le cinéma, aller dans les bars, aller faire des voyages, des choses comme ça, il va se constituer un capital et puis il va se former pour maintenant faire fructifier son argent. Moi, c'était mon cas personnellement, d'accord? Je n'ai pas de loisirs, hein? Je n'ai pas de loisirs, je n'ai pas d'amis. Donc, je travaillais à côté de mes études, là, je travaillais. Et puis, je réussissais à épargner de l'argent et puis à le mettre sur les marchés financiers. Aujourd'hui, bon, j'ai un confort de vie quand même assez intéressant. Voilà, donc, mais c'est étape par étape, d'accord? Je ne suis pas quitté du chômage pour puis devenir superstar des marchés financiers. D'ailleurs, même, je ne me considère même pas comme une star. Mais on voit certaines personnes souvent qui tiennent ce discours. Il y a une dame aussi que j'ai entendue récemment. Elle est anglophone, elle dit que le trading, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est du gambling, d'accord? On fait du gambling partout et que même sur les marchés aussi on fait du gambling. Et même quand on doit par exemple choisir dans quelle université on veut étudier, on fait du gambling parce qu'on connaît pas l'université. Quand on veut marier quelqu'un qu'on connaît pas, on fait du gambling parce qu'on sait pas à qui la personne. Bon, elle a fait plein de deals, tellement de bêtises. Donc, ça sert à rien que je raconte ça. Mais c'est en fait ce type de discours, c'est fait en fait pour amener les gens vers elle, pour justement, pour ça dit, c'est pour créer un amalgame dans leur esprit, pour qu'ils confondent tout. Parce que ce que vous ne savez pas, ou ce que vous ignorez, disons, c'est que moi personnellement, je me suis pas levé un matin comme ça pour dire je veux venir travailler sur les marchés financiers. Je n'ai pas fait ça. Je voulais travailler sur les marchés financiers, mais je ne suis pas venu directement comme ça. J'ai pris mon temps, donc j'ai étudié les marchés, donc sur un plan théorique, ce qui a duré presque 5 ans, d'accord? Je n'étais pas pressé du tout, hein? J'ai pris mon temps. J'ai étudié les marchés, tous les concepts. Toutes les définitions, toutes les interprétations qu'il faut avoir. J'ai collaboré avec beaucoup de gens. J'assistais même à des séminaires les samedis. Samedi, il y avait des séminaires souvent dans des écoles ou bien souvent dans des tours de commerce ou dans des banques. J'allais là-bas pour voir un peu comment les gens approchaient les marchés. J'ai pris mon temps, comprenez? J'ai pris mon temps. J'ai commencé à pratiquer également des mots. Après, je suis passé en réel et puis au fur et à mesure tu continues également. C'est-à-dire, c'est un domaine où il n'y a pas de, disons, il n'y a pas de limite. D'accord? On ne fait que apprendre chaque jour. Chaque jour, il y a une nouvelle chose à apprendre. Donc, du coup, du point de vue intellectuel, c'est stimulant. D'accord? Parce que si vous venez sur les marchés financiers juste pour faire de l'argent ou de la thune, comme on dit dans le jargon, ben vous allez soit vite vous faire très mal, ou bien vous allez vite vous lasser. D'accord? Parce qu'à part gagner de l'argent sur les marchés financiers, il n'y a rien. Vous comprenez? Mais si vous voulez, si c'est votre passion, c'est-à-dire si c'est quelque chose que vous aimez au-delà de plus, le côté gestion psychologique, le côté gagner de l'argent, le côté intellectuel, parce que ça vous amène à faire des recherches, à comprendre le marché.
Quand on vous pose des questions sur la finance, vous êtes capable de tenir un argumentaire, vous comprenez? Si vous êtes là pour toutes ces raisons, en ce moment-là, vous allez vraiment vous régaler pratiquement toute votre vie. Vous n'allez même pas voir passer le temps. Mais si vous venez juste pour gagner de l'argent, ça va devenir un moment ennuyeux. D'accord? Parce que vous venez, vous allez gagner, ok. Partez, y a rien d'autre après. Et après, on fait quoi? Après, on dépense l'argent, après, on revient encore. Et c'est comme ça que vous allez faire, d'accord? Et ça, il n'y a pas de gratification. C'est un peu comme à l'image du sport, comprenez? Où on dit souvent, le sport, on dit le talent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aimer ce qu'on fait, d'accord? Il faut aimer ce qu'on fait. Et y a beaucoup d'exemples. Il y a des sportifs qui étaient pratiquement nés, hein, pratiquement nés avec le talent, mais ils n'ont pas su travailler, ils n'ont pas su aimer ce qu'ils devaient faire. Et finalement, ils ont disparu, d'accord? Donc, la finance des marchés, c'est un domaine qui est vaste. Donc, le trading, à qui ça s'apparente? Ça s'apparente à ceux des gens qui sont passionnés, qui aiment la finance, qui aiment l'économie, qui aiment, disons, ce côté-là intellectuel. Donc, tout le monde peut faire ça. Il suffit d'aimer, d'apprendre et de bosser. On n'est pas trader, on devient trader, d'accord? Et aussi, même dans le domaine de la finance des marchés, il y a des gens qui peuvent devenir analystes financiers ou bien qui peuvent faire d'autres trucs, d'accord? C'est un domaine vaste. Mais de grâce, avant de venir sur les marchés financiers, il faut d'abord vous poser de bonnes questions. Et puis, la dimension sociale est très importante, d'accord? La dimension sociale est très importante parce qu'il ne faut pas négliger ce fait-là. Si vous avez des difficultés sociales, du point de vue parce que vous êtes soit au chômage ou bien vous avez connu, par exemple, vous êtes disputé avec votre copine, vous avez connu une séparation, donc psychologiquement, vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir travailler sur les marchés, ou bien vous avez des difficultés, par exemple, aux études, à l'école, et vous venez sur les marchés financiers, ça va vous affecter. D'accord? Parce que je ne connais pas un trader qui vient sur les marchés financiers et puis soudainement il gagne sur les marchés financiers. J'en connais pas. Peut-être que ça existe, hein? Mais moi j'en connais pas. D'accord? Or, quand on vient sur les marchés puis on perd de l'argent, ça fait très mal. D'accord? Perdre de l'argent, ça fait mal. Surtout quand tu perds de l'argent, des fois tu perds et tu ne comprends même pas pourquoi tu as perdu. Ça se fait comme ça en claquant les doigts. En 2 minutes, vous perdez. D'accord? Et ça va encore creuser, détruire déjà votre psychologie qui était déjà complètement chaos. Donc, c'est des problèmes qu'il faut régler d'abord avant de venir sur les marchés financiers. Parce que c'est un endroit où c'est sans pitié. Comme les Anglais le disent, no room for mistakes. Il n'y a pas de place à l'erreur. Il faut vraiment être prêt parce que vous mesurez, non seulement vous avez deux ennemis sur les marchés financiers, vous avez les autres et vous-même. D'accord? Vous vous mesurez vous-même contre vous-même et puis vous vous mesurez également contre d'autres, contre vos semblables. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Ne tombez pas dans le piège des gens qui vous racontent que le trading c'est du gambling ou bien le trading c'est du casino. Ne faites pas attention à ces gens de personnes donc, qui essaient d'avoir des gens qui viennent qui sont issus d'un autre milieu, de milieu des paris sportifs et tout ça. Des gens aussi qui sont en détresse psychologiquement parce qu'ils sont au chômage. Ou bien ils ont des difficultés pour trouver de l'emploi, on leur dit que viens faire le trading, tu vas gagner de l'argent rapidement. N'écoutez pas ces gens-là. Cherchez d'abord à régler d'abord vos problèmes, d'accord? Et puis ceux qui sont jeunes aussi, ne pensez pas que le trading c'est facile et qu'on peut gagner de l'argent avec 200, avec 500 dollars, on peut gagner 200 dollars par jour. Ne comptez pas là-dessus. Et puis aussi aux personnes âgées qui m'écoutent, il ne faut pas vous mettre dans les situations où vous voulez justement risquer soit votre épargne toute une vie, d'accord? Parce que souvent c'est ça, les gens ils ont peur, ils se disent j'ai travaillé fort pour gagner tout mon argent toute ma vie et il y a un risque que je le perde en bourse tout, d'accord? J'ai un risque qu'il s'évapore. Mais il ne faut pas penser comme ça parce que dites-vous que lorsque vous venez en bourse, vous devez mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre, l'argent que vous êtes prêt à supporter. Si ça disparaît, d'accord? Donc, si vous venez en bourse, vous avez par exemple épargné toute votre vie, disons 400 000 dollars, mais vous n'allez pas mettre 400 000 dollars sur les marchés. Vous allez commencer au moins avec au moins, disons, 10 000. Donc, une infime partie, d'accord? À peine, soit peut-être 5 à 10% de votre patrimoine.
C'est tout, c'est largement suffisant, pas plus. Après, si vous vous sentez confortable, vous pouvez augmenter progressivement ou bien votre aptitude à gagner sur les marchés financiers peut vous amener à augmenter de façon progressive. Mais ne venez pas mettre tout d'un coup votre argent que vous avez épargné pendant au moins 30, 40 ans et puis vous venez prendre une opération et vous perdez tout. Donc c'est souvent ça, les personnes âgées qui ont souvent peur de ce genre de choses. Et aussi, on ne les explique pas la différence entre les risques systémiques et puis les risques des marchés financiers, d'accord? Parce qu'il y a différentes sortes de risques. Le risque du broker, le risque des marchés financiers, le risque général, on ne les explique pas. Parce que si vous mettez beaucoup d'argent aussi chez un broker, il y a un risque que vous ne récupérez pas votre argent, comprenez? Donc tout ça, prenez le temps de lire, d'écouter. Et puis faites attention à ces charlatans-là qui veulent vous vendre du vent ou du rêve. Donc, c'était François Blé. Donc, c'était ma contribution à cette question, à qui s'adresse le trading. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à le faire savoir, à la liker, à la partager. Et puis, ben, moi, je vous dis bon week-end à vous, à tous et à toutes. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour les autres émissions. Donc, c'était François Blé, donc du Gesta Canada. Il est présentement 7h20. Merci, au revoir.